Voilà, donc pour avoir un cycle de 4 mesures, j'imagine dans mon espace 4 carrés qui sont à côté, et je fais 1 et 2 et 3 et 4, je me déplace 1 et 2 et 3 et 4, je me déplace à l'arrière 1 et 2 et 3 et 4, et je me déplace là 1, 2, 3, 4. Donc là, je sais que je vais attaquer le deuxième cycle. Donc je continue exactement de la même manière en me déplaçant. Je suis donc actuellement bientôt au premier temps de la troisième mesure. 1, 2, 3, 4. J'attaque la quatrième mesure et je vais faire là 2 croches 1. Ça, c'était le deuxième cycle. Donc là, je suis sur le troisième cycle. Donc vous voyez qu'en vous parlant, je peux savoir que là, j'attaque le premier temps de la troisième mesure. Voilà, là, je vais attaquer la quatrième mesure, 2, 3, croche, 2, double, 1, 2, 3, 4. Là, je suis à la deuxième mesure. Voilà. Ensuite, je vais être là à la troisième mesure. Et enfin, je vais arriver à la quatrième mesure en faisant la chose suivante. 4, double, 1. Voilà. Et donc, je peux mémoriser ainsi les quatre cycles.